tous et merci encore pour votre fidélité à notre temps de partage, de réflexion autour du livre de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés au septième sceau. Notre prière ce soir est que Dieu nous donne l'intelligence afin de pouvoir comprendre les profondeurs cachées de sa sainte parole. Je vous invite à lire avec moi dans le huitième chapitre de l'Apocalypse au premier verset. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur fut donnée. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braise et d'ardente prise sur l'autel et le plaça sur la terre. Il eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les sept anges qui tenaient les sept trompettes s'apprêtèrent à sonner. Le septième sceau s'ouvre sur une silence. Et cette silence a une durée d'une demi-heure. Ce silence correspond à un temps qui est limité. Et nous n'avons pas une explication sur le pourquoi du silence dans le ciel. Mais permettez-moi d'apporter une pensée personnel à ce sujet. Premièrement, j'aimerais dire que le silence peut être traduit par un temps où tout s'arrête dans le ciel pour faire place à la gloire de Dieu. Le silence, nous pouvons le voir comme un saint respect à la personne divine. Le silence, nous pouvons le voir comme pour honorer la sainte présence de Dieu sur son trône. Et deuxièmement, j'aimerais dire que le silence dans le ciel peut être un temps où les anges sont dans l'attente de l'instruction de Dieu. Car nous savons que rien ne se fait dans le ciel sans l'ordre divin. Les anges sont avant tout des serviteurs et ils attendent l'ordre du maître afin de pouvoir se mettre en action. Après ce silence, nous voyons le ciel se mettre maintenant en mouvement. Le ciel est en action. Les sept anges qui se tiennent devant la face de Dieu et sept trompettes leur fut donnée. Le chiffre sept n'est pas là par hasard. Le chiffre sept est le chiffre de la perfection de Dieu, pour nous rappeler simplement son caractère parfait, ses œuvres parfaites. Et je vous invite à lire avec moi dans Deutéronome au chapitre 32, à partir du verset 3. Il est dit ceci: car je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu,
Il est comme un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas l'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Amen. Les sept anges sont également là pour nous rappeler que les plans parfaits de Dieu vont maintenant s'accomplir sur la terre des hommes. Essayons de regarder ces trompettes comme des symboles dans les mains des anges. Et si nous voulons comprendre le sens des trompettes, il nous est nécessaire de retourner dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Nombres, au chapitre 10, nous commençons à lire le premier verset. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais fabriquer deux trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal au départ au camp. Dès que ces deux trompettes sonneront ensemble, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les chefs des corps d'armée d'Israël se réuniront auprès de toi. Après la lecture de ce verset, nous comprenons alors que les trompettes ont été créées, fabriquées dans le but premier de communiquer un message, soit pour rassembler le peuple pour une occasion spéciale, soit pour avertir le peuple sur un danger imminent. Et les sept trompettes que nous retrouvons dans l'Apocalypse vont dans le même sens. Elles annoncent un message, les jugements de Dieu, au travers des événements chaotiques qui arriveront et se produiront sur notre terre. Ces catastrophes climatiques ont pour but d'avertir, de nous avertir, de réveiller notre conscience, de nous ramener à réfléchir sur notre fragilité humaine, pour nous ramener à nous humilier, à nous repentir devant Dieu et à briser notre orgueil. Car nous devons apprendre ceci, que l'univers entier est au service de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, les ouragans, les vents, les mers, les animaux, Dieu les utilise pour accomplir ses plans. Dieu utilise les éléments célestes comme les éléments terrestres pour apporter également un jugement. Et nous avons dans le livre du prophète Jonas plusieurs exemples où Dieu a utilisé des éléments pour accomplir son plan pour la vie de Jonas. Dans le premier chapitre du livre de Jonas, au verset 4, il nous est dit que l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. L'Éternel est à l'origine de cette tempête. C'est l'Éternel qui a permis que le vent puisse souffler sur la mer.
Je vous invite encore à lire avec moi au deuxième chapitre du livre de Jonas, au premier verset. Il nous est encore dit là, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. » C'est l'Éternel qui a voulu, qui a utilisé ce grand poisson et qui l'a envoyé pour aller avaler Jonas. Et je termine par le chapitre 4 du livre de Jonas, en commençant par le 6e verset, toujours dans le but de nous faire comprendre que Dieu utilise chaque élément, petit ou grand, pour ses plans. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se détacha. Dieu fit venir un ver de terre. Dieu utilise, comme je vous ai dit, des petites choses. Chaque chose est dans la main du Seigneur. Regardons à présent la première trompette. Au 8e chapitre de l'Apocalypse, au verset 7. Voici ce qui nous est dit. Le premier ange sonna de la trompette. Aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute plante verte fut brûlée. La première trompette est similaire au 7e plaie en Égypte, la grêle et le feu. Les 10 plaies d'Égypte étaient également des jugements de Dieu contre l'orgueil de l'Égypte. Et nous voulons regarder, comparer ce plaie de l'Égypte afin de nous aider à comprendre la première trompette. Nous lisons dans l'Exode au chapitre 9, au verset 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel, et que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, les bêtes et toute la végétation dans le pays. » Moïse leva son bâton vers le ciel, et l'Éternel déchaîna le tonnerre et la grêle, et la foudre s'abattirent sur la terre. L'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte. Des éclairs jaillissaient au milieu de la grêle, et la grêle était si violente qu'il n'y en avait jamais eu de semblable dans toute l'Égypte depuis que la nation existe. Si Dieu a permis, a utilisé la grêle, les éclairs, le feu, c'était pour apporter un jugement sur la nation de l'Égypte, sur l'orgueil de l'Égypte, l'orgueil de Pharaon. Et nous verrons également quel était le but de ce jugement contre l'Égypte. Nous le lisons dans l'Exode au chapitre 9 au verset 14. Voici ce que déclare l'Éternel. Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de flots contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires, contre tes sujets,
afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Essayons de comprendre que la première trompette avait pour but de faire connaître la grandeur de Dieu aux hommes de maintenant, les hommes d'aujourd'hui. Et comme je l'avais déjà dit et je le répète encore, les jugements de Dieu ne viennent jamais sans avertir les hommes, parce que Dieu aime les hommes et il cherche, il veut les sauver de sa colère. Si Dieu était méchant, si Dieu voulait détruire les hommes, il aurait déjà fait il y a bien longtemps. Lisez encore avec moi dans Exode au chapitre 9, au verset 15 à 16. C'est encore l'Éternel qui parle à Pharaon à travers la bouche de Moïse. « J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste ainsi que tes sujets et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je te laisse en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. » Si Dieu permet ces événements tragiques, si Dieu permet la tempête de grêle sur la terre, le feu qui détruit la terre, c'est pour apporter un enseignement aux hommes. Car Dieu avertit les hommes au travers des dérèglements climatiques. C'est dans le but que l'homme puisse changer son comportement, que nous puissions nous humilier afin d'obtenir le salut. Mais la vraie question que nous devons nous poser, quelle est notre réaction face aux avertissements de Dieu? Nous avons encore un exemple dans Exode chapitre 9 au verset 18. Nous voyons Dieu avertir le peuple égyptien avant d'envoyer la tempête de grêle. Soit demain à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tous ceux que tu as au champ, car tous ceux qui se trouveront en plein champ, qui n'auront pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Et nous allons voir la réaction des hommes qui ont pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Voici leur réaction. Ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leur bétail à l'abri dans leur maison. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a ceux qui entendent l'Évangile. Il y a ceux qui prennent l'Évangile au sérieux et qui ouvrent leur cœur à Dieu et reçoivent le salut en Christ. Mais il y a ceux également qui entendent l'Évangile et méprisent cet Évangile, se moquent, rejettent. Ils ferment leur cœur à Dieu, car l'Évangile est aujourd'hui également comme une trompette qui sonne aux oreilles des hommes. Si nous regardons la réaction des hommes d'autrefois, il nous est dit au verset 21, « Mais ceux qui ne prêtèrent pas attention laissèrent leur dans les champs
La question, est-ce que nous prêtons attention à l'évangile de Christ? Si nous voulons comprendre le jugement de la première trompette, il nous faut comprendre d'abord les jugements de Dieu sur l'Égypte, précisément sur la septième plaie, la grêle et le feu. Pourquoi Dieu juge par la grêle et par le feu? Premièrement, pour détruire tout espoir, toute confiance que les Égyptiens plaçaient sur leur Dieu, qui, soi-disant, les protégeait. Deuxièmement, Dieu voulait montrer aux Égyptiens qu'il était le Dieu véritable devant leur faux Dieu. Les Égyptiens plaçaient leur confiance dans toutes sortes de divinités. Premièrement, dans la déesse du ciel nommée Nout, qui était leur protectrice. Et deuxièmement, dans le dieu de l'air, porteur du ciel, qui s'appelait Chou. Et troisièmement, ils croyaient également au dieu Seth, qui était pour eux le dieu de tempête, d'orage, de foudre, le protecteur de récolte. Et quatrièmement, ils croyaient également au dieu Horus, qui était le dieu du ciel, qui était le protecteur des pharaons. Tous ces dieux, tous les dieux en qui ils avaient confiance, tous ces dieux vers qui ils se prosternaient, qu'ils offraient des offrandes, ces dieux n'ont pas été capables de les protéger. Leurs divinités n'ont pas été capables de les délivrer de tous ces maux. Ils avaient alors compris que l'Éternel était le seul et véritable Dieu, et que c'était lui le maître, le gouverneur du ciel et de la terre, le seul qui soit capable de protéger, de les protéger et de les délivrer. Et aujourd'hui, les hommes modernes placent également leur confiance dans leur divinité. Et qui sont leurs divinités? C'est eux-mêmes, c'est leur intelligence, c'est leur richesse, c'est la science. Ils rejettent Dieu en pensant qu'ils sont capables de résoudre le mal qu'il y a dans le monde, en pensant qu'ils sont capables de se délivrer eux-mêmes de toutes les dérèglements qui s'abattent sur notre monde. Et en agissant ainsi, ils tombent sous le coup de la malédiction. Lisez avec moi dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, au verset 5. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Nous sommes là au cœur du problème qu'il y a dans notre monde, dans les cœurs de beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes rejettent Dieu et placent leur confiance en eux-mêmes, placent leur confiance dans leur sagesse, dans leur intelligence, dans la science, et ils détournent leur cœur de Dieu.
Et voici ce que Dieu dit encore au verset 6. Cet homme qui place sa confiance en lui-même et qui rejette Dieu, il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Ces jugements sont là pour interpeller l'homme. Sommes-nous prêts à tendre l'oreille? Sommes-nous prêts à réfléchir, à regarder le ciel et à nous repentir devant lui? Je vous remercie pour ce temps que vous avez passé à nous écouter. Et nous espérons que ces paroles pourront interpeller vos cœurs. Merci.